Mais je suis pas née comtesse. Sainte Poupie, c'est pas ça je te demande. Juste un petit appartement. Une chambre, une cuisine, un salon d'eau. Pour commencer. Hé, hey, vous faites bêtement le faro, là. Tout n'est pas décidé. Il s'en faut. Il s'en faut l'âge. À force de languir, peut-être bien que je vais trop vite, mais t'admettras que je suis patient. J'ai de la patience en masse. Ça fait 2 mois que tu... On se ferait une bonne vie. J'ai demandé à McIntyre de me passer waiter. Je peux faire 35$ par semaine si je me grouille. Puis pour toi, je me grouillerai. Oh, mais je voudrais pas te laisser Madame Rousseau. Mais elle a plus besoin de toi, Marie. Toi puis moi partis, il reste juste Colette avec elle. Tu me feras toujours même pas croire qu'ils ont besoin d'une bonne. Hein? Oh, voyons. Ouais. Oh. On annonce nos fiançailles pour Noël, puis on se marie au printemps. Ça va te donner le temps de réfléchir encore plus. C'est sûr que je vous fais morfondre, là. Puis c'est pas mon plaisir. Maman m'a bien dit dans ses lettres, fais rien si t'es pas certaine. Ça va par bourrade. Des fois, c'est clair comme le petit matin, puis d'autres fois, c'est emboucané comme les brumes d'automne. Tu m'aimes pas? C'est pas mon dire. J'aurais du regret de partir d'ici. C'est comme plus chez nous que mon chez nous en Gaspésie. Des fois, là, c'est juste de prendre la décision qui fait tout. On sait pas, on hésite, on s'inquiète. On se mangerait les ongles d'orteil, mais une fois qu'on a décidé, là, qu'il n'y a plus de revenez-y, on est bien content. On vient tout heureux. On a de l'air plein poumon. On part, on avance, on change. Puis on peut être heureux. Toi puis moi, on serait bien heureux. Je pense qu'il n'y a pas grand monde dans le monde, dans toute l'histoire du monde qui pourrait être aussi heureux que ça, Sainte-Toupie. On l'a bien mérité, on a se fait la queue de veau. Tu travailleras à l'arsenal. Moi, à la salle à dîner du château. Le soir, on se retrouverait. Fatigué, mais bien content de se revoir. Là, tu me feras manger. Moi, je te ferai ta vaisselle. Des fois, on prendrait une petite vue. Des fois, on resterait juste à la maison. Oh, je connais point ça, les munitions. Mais ils engagent des filles de partout. Ça arrive du fin fond des colonies. Tu me feras toujours bien pas croire que t'es pas plus smart que tout ce gang-là. T'sais, on sauverait notre argent pour se meubler comme il faut, pour se préparer. Comment ça, pour se préparer? Pour après la guerre. Une fois la guerre finie, on s'achèterait un restaurant. Avec mon expérience d'hôtel, puis ta façon de faire à manger, on attirerait bien des touristes. On va être heureux, je te dis. Peut-être bien. En voyant, oui, c'est Noël la semaine prochaine. On annonce nos fiançailles. Oh, je sais pas. Flore, ma fille, je viendrai pas dîner. J'ai des affaires à régler en ville. Je pense que je vais me défaire de la maison. T'es encore en train de me demander si je devrais pas vendre mes bagues pour acheter des cadeaux de Noël. C'est ridicule. Je veux plus vivre comme ça. Faut que je règle ça une fois pour toutes. Je vais aller voir Gustave Hudon après la Croix-Rouge. Ah, oh, ben. Si tu penses que c'est mieux de même. Oui, je crois, oui. Qu'est-ce que je te disais? Ah, puis de toute façon, je voudrais pas continuer à vous faire râler à l'aise. Donnez-moi jusqu'à jeudi, puis vous l'aurez votre réponse. Attends pour que j'achète la bague. Une réponse. La réponse d'abord. Je
suis heureuse. Il semble avoir tellement de plaisir. Désormais, ça va toujours être comme ça. Je retourne pas à Kingston. Je vais faire mon chemin à la largeur de mes épaules, à ma manière. Mon père pourra plus me retenir. C'est ma vie, pas la sienne. Personne ne peut indiquer ça. J'aime ça de sentir comme t'es maintenant. Tellement confiant. C'est tout ce que j'aimerais, Charles. Quoi? Ce serait que tu viennes passer le réveillon chez nous, après la messe de minuit. Émile va être là? Ah oui? Oui, puis je serais contente de te voir. Puis ce serait une façon de te dire à la famille que c'est spécial, nous deux. Que ta convalescence est finie, puis qu'on est devenus des amis, des grands, grands amis. Bien sûr, je serai là. Tu peux compter sur moi. Je suis contente. J'aime ça faire du ski avec toi. Aussi bonne que toi, mais j'essaie de te suivre. Comment ça a été? Oh, il va falloir que je change de notaire. Tu t'as vu donc jouer au chat et à la souris avec moi. Comment ça? Bon, il prétend qu'on ne peut pas trouver une hypothèque sur la maison parce que je serais pas solvable. Comme si la maison suffisait pas en elle-même. Puis la vendre? J'hésite quand même, Pierre-Paul. C'est l'héritage des enfants. Faudrait que je sois certaine de faire une bonne affaire, de pas dilapider leurs biens. Ben, fixe ton prix, puis essaye. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit à Gustave Hudon, pour 15 000 $ je la laisse aller. Il dit que je suis folle. 8 ou 10 000 au plus à ce qu'il prétend, puis encore parce que les logements deviennent rares avec la guerre. C'est une fausse couche, ce gars-là. Puis t'as bien raison. Trouve-toi-en un autre, notaire. Tu comprends, c'est difficile. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Une maison, c'est plus qu'un bien à négocier. C'est là que les enfants ont connu leur père. Oh, ils vont partir un jour, c'est sûr. Mais ils auront toujours besoin de revenir de temps en temps, de savoir que c'est là. Tu vois, comme pour Émile, il va revenir pour son furlough avant de repartir, Dieu sait où. Ben, c'est important pour lui de savoir que, qu'il y a un endroit dans le monde qui est son centre, où il peut retrouver toutes ses attaches à la vie. Pour moi, Marie, tu t'en fais. Ce qui compte pour Émile, pour tous nous autres, c'est que tu ne n'arraches pas. Qu'on soit heureux. Oui. C'est le monde qui compte, pas la maison. Oui. Tu vois, Flore et moi, on va partir. Ça t'attendra pas bien longtemps. Partir? On se fiance à Noël. Flore a accepté? Ben, pas tout à fait encore. Écoute, Marie, Flore, elle va te demander ton avis. C'est sûr. Dis-y pas non. Elle est bien jeune, Pierre-Paul. Elle connaît presque rien du monde. Tout ce qu'elle a vu, c'est la Gaspésie puis la maison ici. Je vais y montrer le monde, moi. Je l'aime, Flore. Je vais m'en occuper. Elle va en voir plein d'affaires. Mais c'est à toi que je pense aussi. Qu'est-ce que ça peut valoir, la décision d'une jeune fille quand elle est aussi naïve? Qu'est-ce qui va vous arriver dans 3 ou 4 ans? Mais elle n'est pas naïve, Flore. Pas en tout. Elle sait ce qu'elle veut. Ça fait tellement longtemps que tu lui cours après et qu'elle hésite. Quand t'as marié ton Georges, t'étais pas mal plus naïve que Flore, il me semble. Je l'aimais, je me serais jetée dans le feu pour lui. Il n'y a rien qui aurait pu m'en empêcher, pas une force dans le monde. C'est pas tout à fait la même chose pour Flore. Tout ce que je te demande, c'est de la laisser décider, elle. C'est pas nécessaire que ça se passe pareil pour tout le monde. Moi, Flore, je l'aime assez pour deux. Ça me donne son oui, elle regrettera pas, ça je te le garantis. Tu disais qu'on se nuisait, toi puis moi, sans le vouloir. Mais fais bien attention, là. Nuis-moi pas, justement. T'es si sûr que ça? Oui. Oui, Sainte-Toupie. On dirait point, hein? Mais c'est comme si ta musique a chanté la même chanson que dans ma tête.
Ça regarde comme une habitude que j'aurais prise. Quand je t'écoute faire ta pratique, là, souvent de fois, c'est comme si toi et moi, on parle ensemble longtemps, 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 longtemps. Tu vois? Comme quand on se dit des grandes affaires. C'est quoi qu'on serait en train de se raconter, là? Attine-moi pas, tu sais ce que je veux dire. Je sais que t'as l'air de mijoter, je sais pas trop quoi, depuis hier. Ben... On se promettrait à Noël, ton oncle pis moi, si j'y donne mon oui. Des fiançailles? J'ai promis ma réponse pour demain soir. Puis je pense que je dirais plutôt un oui. Tu vas le faire? Ben, depuis le temps que ça dure. Il s'en faut. Si cet homme-là me disait rien, ça ferait longtemps que je l'aurais sumé en arrière. Puis quand je pense à tout ce qui s'est passé, je suis ben obligée de me voir faire. C'est pas pour rien qu'il lâcha pas jamais. Ah non. C'est pas pour rien. Tu penses que tu l'aimes pour vrai? Assez pour le marier? On ne sait-tu jamais assez, c'est qu'au juste aimer un homme? Non, oh, oui. Je pense qu'une femme, c'est ça. T'auras changé ton idée, toi. On peut pas toujours rester des petites filles. Mais vu que je travaille, ton oncle, à l'Arsenal, gagner des bonnes gages. Mmh. Oh, c'est sûr que ça me prépare un peu sur le coup, mais... C'est ça que je me disais hier soir quand je m'endormais. Ici, tu es un petit peu comme mon deuxième chenou. Flore, tu serais plus une petite fille. Il serait peut-être temps que tu recommences à naviguer, que tu prennes le large. C'est ça. C'est ça que je me disais. Ce serait ça aussi. Vous partiriez tous les deux? Ben, la noce se fera au printemps. Oui. Puis là, on s'installerait. On se trouverait un petit logis. Un commencement. Tu vas le faire. Eh bien, qui est-ce qui aurait dit ça, hein? Ben, j'y pense, là. Jusqu'à demain soir. Flore, fais-le pas si t'en as pas une grosse envie, hein? Si tu le désires pas de tout ton cœur. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. C'est pas pareil dans toutes les classes. Oh, dis pas ça. J'aime pas ça quand tu dis ça. T'aimerais pas mieux en parler avec maman? Oh, ben, c'est ma vie à moi. Ce serait à moi de décider. On commencera à faire tant, hein? On changera pas ça. Tancred, vous aussi aujourd'hui? Quel plaisir! Oui, j'avais un briefing au camp de Lauzon pour les jeunes officiers. Alors j'ai pensé venir saluer mon petit Michel. Ça fait près de 2 mois que je ne l'ai pas vu. Ah, il grandit beaucoup, vous allez voir. C'est tant mieux, je le trouvais un peu maigrichon. Mais vous, hein, ça fait quelques semaines qu'on vous a pas vu. Malgré vos promesses, vos belles promesses. Oh, my God, Marie, vous savez... Réinventer une armée moderne, ça ne se fait pas sans peine. Les journées auraient 48 heures que ça ne suffirait pas. Je me suis laissé dire que le peu de temps qui vous reste, vous le consacrez à mon amie Geneviève. Geneviève Adler? C'est ce qu'on m'a dit, bien qu'elle ne m'en ait pas parlé. Mais Marie, me feriez-vous l'honneur d'être jalouse? Oh, je ne sais pas de quel droit je me permettrais. Je serais trop heureux de vous donner ce souci-là, ça vous pouvez m'en croire. Non, jamais je me permettrais, vous en êtes sûr. Rassurez-vous, enfin, si vous avez à être rassuré. Je vois effectivement Geneviève Adler, mais c'est que les représentants du général de Gaulle cherchent des appuis ici au Canada. Je ne sais trop ni pourquoi ni comment, et ils ont décidé de m'accorder de l'importance. Pourtant, je ne vois pas très bien en quoi je pourrais aider tous ces pauvres gens. Geneviève se dit pacifiste. Hein? Oui, je ne crois pas qu'elle ait changé. Hein? Elle a simplement servi d'intermédiaire. Oui. Tellement confus, toute cette histoire de France libre. Et... Ouais.
Écoutez, mais donnez-moi de vos nouvelles. La Croix-Rouge, ça vous occupe beaucoup? Beaucoup, mais je m'en plains pas. La maison m'inquiète davantage. Puisque vous êtes là, donnez-moi un conseil. Maman, t'entends ta crème? Oh. Mais on n'est pas dimanche. Michel! J'aurai pas le temps de vous parler. Faut que j'y retourne pour la troisième période. On est en train de gagner contre le club des finissants. Mais tu peux embrasser ton tonton Tancred au moins. Hein? Oh! Mais dis-moi, est-ce qu'on peut te voir jouer par là? J'apprécierais de voir ta performance. Ça va tout me gêner. J'aime mieux pas prendre de chance. On est en train de gagner, je vous le dis, contre les grands. Ah. Michel, t'as pas vu ton oncle depuis je sais pas quand? Ben, le congé général arrive vendredi. On va avoir le temps. Excusez, tonton Tancred. Faut que j'y aille. Il me reste 2 minutes pour mettre mes papiers. C'est ça. On se verra, comme tu dis. J'ai eu mon bulletin. Je suis premier de classe. Ah, ben bravo. Oh, c'est très content. Bien, ça. Bravo. Ah, oh, celui-là, j'ai plus à m'inquiéter qu'il s'ennuie au collège. Excusez-moi. Oh, ben voyons. C'est tout à fait de son âge. Hein. Marie, est-ce que je peux vous raccompagner? Mon chauffeur est devant la porte. Simon Saillant doit venir me prendre dans 20 minutes. Nous étions venus pour le train de prisonniers qui devait passer en gare de Lévis, mais le convoi a été retardé depuis Halifax, alors je suis ici un peu comme vous, par hasard. Toujours là, celui-là? Donc, ce garçon-là me rend tellement de service. Oui, évidemment. C'est difficile, Simon, ces temps-ci. Mais oui, vous avez l'air tout drôle. Mmh. J'ai des grosses décisions à prendre. J'arrive pas à me faire des idées claires. Je balotte. Je sois un peu tout le monde malgré moi. Wow, wow, la mère des braves, là. Il doit y avoir des bonnes raisons pour ça. C'est pas nécessaire d'être tout le temps aiguisé comme un couteau. Alors, il y a des choses, des décisions, il faut faire ça délicatement, là. Lentement. Avec ses doigts en dentelle. Ça se règle pas à grands coups de hache. Je me trouve trop compréhensive pour moi, ça m'aide pas. Ben oui. Vous êtes toute seule avec une grosse charge. Moi, tout ce que je fais, c'est de sentir un peu comment vous êtes. Puis c'est à ça que je réagis. C'est pas un peu fou, vous trouvez pas un garçon qui comprend tout, même les gens qui ont deux fois son âge. Mmh. Fou braque. Mais ma mère, elle dit toujours que c'est pas vrai qu'on vient plus âge en vieillissant. Juste plus capricieux. Ah ben merci bien. Non, c'est correct ce que vous faites, Madame Rousseau. Tout à l'heure, avec le prisonnier, le roux, là, je vous voyais faire. Mais cet homme-là, il avait peur pour mourir. Puis vous êtes la seule qui a osé y faire un sourire. Toutes les autres filles donnaient leur café comme si c'était des coups de poing. Mais ça l'a calmé, là. Puis c'était correct. Puis il est pas moins prisonnier pour ça. Il avait à peu près l'âge de moi, Émile. Comment voulez-vous que je fasse autrement? Ben oui, c'est ça. En tout cas, pour moi, si vous hésitez avec vos problèmes, c'est parce que vous pouvez pas faire autrement. Ça fait que c'est ça qu'il faut faire pour un bout de temps. Hésiter. Fait que gênez-vous pas. Hésitez. Hein? Fou braque, hein? Hey. Marie? Oui? On a une grande nouvelle à t'annoncer, Flore puis moi. C'est vrai? On se fiance à Noël. Flore vient juste de me dire son oui. Puis on se marie au printemps à Sainte-Toupie. Quand exactement? Oh, ben, la date n'est pas décidée, là. Fin avril, ben, au tout début de mai. Le temps que je trouve du travail, qu'on s'arrange, puis que je prépare mon trousseau. On craint pas, on va tout bien faire ça. Flore va s'engager à l'Arsenal. Moi, je vais changer pour waiter au château. Non, on va faire de l'argent, on va être heureux. C'est vos vies, mais je pense que c'est une erreur. Comment ça? Ma fille, je t'ai dit déjà, il faudrait que t'aies vu plus de choses, connu d'autres milieux, rencontrer d'autres garçons afin de prendre une décision qui engage toute ta vie. D'autres garçons? Coudon, tu m'en veux du temps que ça? De quoi tu te mêles? Je t'avais averti. Tu mérites d'être choisi, Pierre-Paul, vraiment choisi, préféré. Autrement, c'est une lourde chaîne que vous enroulez autour de vos vies. Tu l'aimes, Flore. Ça, je pense que plus personne n'en doute. Tu devrais la laisser explorer un peu. L'Arsenal, c'est très bien, mais les fiançailles, ça pourrait attendre. Explorer.
Je rêve, je fais un cauchemar certain. Je te l'ai dit hier, on va explorer ensemble, Flore puis moi. T'es jalouse. T'es jalouse parce qu'on a tout, puis toi, t'en as pas autant. Bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est vos vies. C'est à vous de décider. Pas ce qu'elle dit. Peut-être qu'on pourrait attendre un peu pour pavoiser. J'irai à l'arsenal pareil, puis on se fréquenterait même, hein. Juste pour l'annonce qu'on espérait. Pour être certain. Ça pourrait donner de noces au printemps pareil. Chercher. Tu veux même pas rester dans mes bras, jamais? Puis là, tu vas aller flirter toutes sortes de gars? Ça aussi. On pourrait se pratiquer par les petits. Par les petits? Petit à petit. Hein? Ben on pourrait-tu commencer tout de suite, là? Hein? Par les petits? Hein? Ben...